بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين امام المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وسلم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ثم اما بعد يا الكرام كما تعلمون من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ولهذا من رحمة الله تبارك وتعالى من بركة الله عز وجل على نبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أيضا خطر كرام فإن الله جل في علا ذكر في كتابه العظيم يعني قصة على الإسراب والمعراج وقال جل في علا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا من آياتنا إنه سميع البصير ولهذا عباد الله يمجد تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدراته على يعني ما قدر عليه أحد سواه ولا إله غيره ولهذا عباد الله تنويه يعني بمعجزات الاسراء اشاره لان الله جل في علا يعني اعطى نبي محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام من الفضائل والمعجزات الكبيره العظيمه لم يعطي يعني من قبله اسلى به البيت يعني الى المسجد الحرام من من, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بيت المقدس القدس يشقق الشيخ <coughs> Certes, Allah, nous rappelle dans le Coran et cela concernant le récit que vous connaissez tous, qui est le récit lié et eh bien le récit qui est lié au voyage nocturne et l'ascension. Là je ne vais pas tout détailler, inshallah cela pourra être détaillé en partie dans la khutbah Mais à partir de cela, ce que je veux moi euh, donc, euh, vous souligner concernant ce, ce récit. C'est déjà se rappeler qu'Allah a donc a indiqué dans le verset de la sourate concernée, gloire à lui, n'est-ce pas? Louange et gloire à Allah qui a fait voyager donc son adorateur, qui est qui? Mohammed ibn Abdullah Il l'a fait voyager donc depuis Mecca al-Haram, donc Mekka, et la Jérusalem jusqu'à al mardis et cela de nuit, en une seule nuit comme cela. Mais pour Justement avec bien sûr la bénédiction qu'il est liée autour de ce lieu, mais surtout afin qu'il voit certains, hein, certains de nos merveilles, certains de nos merveilles, de nos signes élevés, grandioses dans Allah. Cela pourquoi Ayba Puisqu'en fait, ce que l'on va essayer de comprendre, quelques points que je vais vous mentionner de cela, c'est quel est le but de ce récit finalement, de cette histoire extraordinaire, avec des faits extraordinaires où il a voyagé ainsi de suite. Hein, tous les cieux, rencontrant Allah, tout cela à une période et dans une année qui était particulière. Dans l'année dans laquelle il a perdu l'un de ses plus grands soutiens, qui était Khadija, son épouse, celle qui le soutenait, qui a cru en lui directement, qui l'a rassuré, tout cela, lorsqu'il a reçu la révélation. Et peu de temps après, le deuxième grand soutien qu'il a perdu, c'était son oncle, qu'il a, qu'il a perdu dans la même année qu'on a traduit comme étant la nuit noire par rapport à cela. Donc c'était des grandes épreuves, à des moments où on n'entendait pas son message, où on n'entendait pas sa dawa, où les gens ne le soutenaient pas, n'étaient pas avec lui, subhanallah. Il était comme cela, dans une situation de détresse, en situation minoritaire par rapport au Quraysh, aux ceux qui étaient autour de lui. Et donc c'était très dur pour lui. Et Allah, l'a élevé, lui a accordé une grâce particulière, il lui a accordé des miracles qu'il n'a pas accordé à quelqu'un d'autre avant lui, en lui permettant de voyager comme cela depuis la Mecque jusqu'à jusqu'à jusqu al mardis dans la même nuit, aller-retour comme cela, en lui montrant comme Allah nous l'indique, de nos merveilles, c'est-à-dire de tout ce que le prophète a rencontré et a vu à travers ce voyage, à travers les cieux, les prophètes, les communautés, tout cela, jusqu'à la limite du lotus, comme cela, que personne ne pouvait dépasser, même pas Jibril, à aïs Salam, pour voir Allah, recevoir tout ce qu'il a reçu. Mais avant tout, dans ce, dans ce récit extraordinaire, il y avait déjà une réponse aux Quraish qui ne croyaient pas. Et c'était un défi pour eux, parce que certes, quand ils ont entendu cela, même le prophète, -salam, au matin, lorsqu'il est revenu, il était inquiet, dans l'inquiétude de se dire, mais comment je vais raconter cela Comment je vais m'exprimer en racontant tous ces faits, mais les gens ne vont pas me croire Il était dans le tracas par rapport à cela, parce que c'était tellement... Euh, Au-delà même de l'entendement de l'être humain, comment est-ce qu'une personne peut voyager comme cela À l'époque, ce n'est pas comme maintenant. Normalement, c'est des semaines et des mois de voyage. Comment est-ce qu'une seule nuit, il a pu faire cela Et donc, c'était une grande épreuve pour lui. Et lorsque, eh bien, il a raconté cette histoire, lorsqu'il a commencé à... À parler aux gens un petit peu, les gens commençaient pour certains à se moquer. Au point même qu'Abu Lahab, il appelait les gens comme cela Venez, 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 venez écouter ce que Mohammed a raconté. Venez, comme quand quelqu'un te raconte quelque chose vraiment de qui, qui pour toi ne peut être donc une, une vérité, quelque chose auquel tu ne peux porter donc euh, croyance ou vérité, et tu appelles les gens pour écouter cela. Tellement pour toi, est, cela est, est, est marrant et rigolant. Et par rapport à cela, il appelle les gens, « Venez écouter ce qu'il a, qu a à dire, ce qu'il raconte. » Et dit, yeah, « Ya Mohamed, vas-y, rappelle l'histoire rappelle encore que tu, que tu nous racontes. » Et donc le prophète commence à donner les détails de ce qu'il a vécu. Et les gens, certaines se tiennent, se tiennent la tête, d'autres rigolent, d'autres cachent leur visage, d'autres se lèvent et partent, comme cela. Même les croyants, même les croyants ont eu des petits doutes parce que c'est quand même une histoire extraordinaire. À une époque, il y a 15 siècles comme cela. Les croyants avaient des petits doutes quand même, subhanallah, en se disant Mais est-ce que c'est possible vraiment, humainement, qu'un être humain puisse faire cela Dans la même nuit, voyager des milliers de kilomètres comme cela, et voir tout ce qu'il a vu Là-bas, en fait, sur place, subhanallah. Et donc les gens ont commencé à dire Bon, bah, on va te poser des questions, parce que certains parmi eux avaient une connaissance précise de Khus, y'a yani, de mais c'est l'Aqsa de la mosquée là-bas, à Jérusalem. Donc ils avaient des détails comme cela, précis. Et donc euh, ils lui ont dit Bon, on va l'interroger. On va voir ce qui, si c'est vrai ou pas. Alors, il commence à l'interroger sur plein de choses comme cela. Alors, dis-nous ceci, dis-nous cela. Et lui, il raconte en gros. Mais lui-même, le prophète, bah, lui-même dit, mais dans ce voyage, lui-même était dans, dans dans la peur, dans la crainte pendant ce voyage. Donc, il n'a pas fait attention aux détails. Il n'a pas fait attention aux subtilités de ce voyage. Donc, il n'avait pas tout en tête. Et les gens l'interrogent comme cela. Alors, dis-nous ceci, dis-nous cela. Comment était ceci, comment était cela Et ensuite, jusqu'au moment quand il dit et cela dans un hadith, رابورتي البخاري في الصحيح لما ميل ديكوان، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في حجري يعني اسماعيل، فجلى الله لي بيت المقدس، فتفقت اخبرهم عن اياته وانا انظر اليه. يلدي قريش dans le coin de en fait, hein, le coin de, près de la Mecque de la megde, Isma'il Aswan, qui, qui est à cet endroit-là, et il dit, « Allah, vu là m'a montré ces signes, ces détails que je voyais en face de moi comme cela, comme une vision que personne ne pouvait voir à part lui. » Où il disait, « J'ai vu tous les détails de la mosquée, tous les moindres détails, comme si il avait une vue, on va dire, en 3D, une vue en 3D comme cela, il voyait tout comme cela. » Dans les détails les plus précis les plus profonds et il commence après à détailler cela et il raconte ceci il raconte cela les gens étaient un peu étonnés époustouflés parce que les gens qui connaissaient qui savaient se disaient c'est impossible que quelqu'un qui n'est pas parti là-bas puisse donner des détails aussi précis et véridiques c'est pas possible donc certains même quand euh, ils ne croyaient pas en lui ne croyaient pas au message quand même ils avaient ils étaient perplexes et donc les gens sont commen ont commencé à aller voir les gens racontant cela et au matin quand les gens ont entendu cette histoire D'autres sont partis voir Abou Bakr al Ils sont partis interroger Abou Bakr, qui était le compagnon, intime, le proche du prophète Ali Ils l'ont rencontré sur le chemin en lui disant :«« ila venu il venu à toi Ce que te raconte, ce que te ton compagnon, en faisant référence au prophète Ali et Il dit :« al al-Maqdis. » Il dit comme quoi que dans cette nuit-là, dans la nuit, il a voyagé jusqu'à Beyt al Subhanallah dans cette nuit-là, il a voyagé, il a fait un aller-retour. Et Abouak, qu'est-ce qu'il demande Qu'est-ce qu'il dit Il dit vraiment cela. Et eux ont dit oui, Naam Il dit cela. Il dit que dans la même nuit il a fait, de cette nuit-là, il a fait cela. Et Abuak, Allah qu'est-ce qu'il dit Il dit, bah si il dit cela, la hein? Et bien, s'il dit cela, c'est que c'est la vérité. S'il dit cela, c'est que c'est vrai. Et ensuite, eux ont... qui étaient autour de lui, ils étaient étonnés. Hein? <métit> Est-ce que tu crois vraiment qu'il a pu faire cela en une seule nuit C'est-à-dire d'où il est là De la Mecque, il va jusqu'à là-bas, à là al et il revient au matin Tu crois vraiment en cela la persp... le, le côté perplexe, le, le côté perplexe de qui, de ceux qui qui dont le cœur n'est pas éclairé par la lumière, tu vois, dont le cœur n'est pas touché par la lumière de la foi, dont le cœur n'a pas n'a pas ce, cet éclairage de la raison et de l'iman bel qui fait que lorsque tu entends une information, lorsque tu lis quelque chose, lorsque on te dit quelque chose provenant d'Allah de son prophète, Et eh bien toi, tu te soumets, t'acceptes, même si tu ne crois pas, même si tu ne le vois pas, même si tu ne touches pas de tes mains est que tu fais partie de ceux qui croient en Allah alors qu'ils ne le voient pas tu vois, Ils wa Allah ils craignent leur Seigneur alors qu'ils ne le voient pas. Cela, c'est la sincérité et la véracité qu'il y a dans le cœur du croyant, tu vois, dans la foi du croyant. Et après, alors, quand il entend cette réponse, est-ce que tu crois vraiment en cette histoire Est-ce que tu crois vraiment en cela Il dit Mais, naam, né « Mais je crois en quelque chose qui est bien plus grand que cela. » Non, pas simplement cette histoire. « Je crois en quelque chose qui est bien plus grand que cela. » Alors, ce qu'il répond. « Je crois en des révélations qui viennent des cieux et qui descendent du ciel le matin et le soir et qui sont révélées à son prophète. » Regardez un petit peu la, la raison. Comment est-ce qu'un homme... Intelligent parce que Abu Bakr, alors, indépendamment de la foi, c'était quelqu'un qui avait une certaine connaissance euh, de l'histoire, des récits, euh, donc euh, des choses comme cela. Donc ce qui faisait que, en plus de cela, eh bien regardez comment la foi est venue éclairer son intelligence. Il n'a même pas vu encore le Prophète Le Prophète ne lui a pas donné encore de détails et d'informations concernant ce récit, d'accord Puisque ce sont les compagnes qui lui apprennent cela. Et lui, il ne pas de doute comme cela. Il N'est pas comme nous. Nous, on met des doutes, malheureusement, sur beaucoup de choses. On vient, on te dit, il y a un hadith authentique qui te dit cela. Toi, tu dis, ah bon Ah bon Ah, je sais pas, lalaam. Tu vois, j'ai jamais entendu cela, moi. Tu vois, j'ai jamais entendu cela. Tu sais pas, mais tu, tu mets quand même déjà un doute, tu mets, tu mets une, une situation d'ambiguïté. En fait, ce qui est intéressant, c'est de te dire comment toi, tu aurais réagi, toi, à l'époque-là. Tu vois, on vient te dire comme cela, il y a 15 siècles, hein, avec les chameaux et les brebis, et les moutons, comme cela, on te dit, voilà, ce qui s'est passé dans la nuit. Par un homme, qui voit des choses extraordinaires comme cela. Donc, c'est quoi cette histoire en fait Cette histoire, elle est là aussi pour bousculer ta foi. Tu vois, bousculer ta certitude. Et Abobak, Rabban, il a fait preuve d'intelligence et de raisonnement. Pour que vous raisonniez en fait. Tu vois Pour que vous raisonniez. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit Bon, vous me racontez, si on peut résumer comme cela, vous me racontez une histoire comme quoi, dans la nuit, il aurait voyagé de tel endroit à tel endroit, il s'est re revenu au matin. Mais est-ce que cela est plus extraordinaire que le fait que le Seigneur des mondes lui fasse des révélations des cieux et qu'il reçoit comme cela le matin et le soir quelle est, quelle est la chose la plus extraordinaire entre les deux Si ce n'est le fait qu'il est en contact avec le Seigneur des mondes, « Rabbul Alami » créateur des cieux et de la terre, et qu'il reçoit des révélations comme cela, est-ce que cela n'est pas plus grand, plus, plus énorme que le fait qu'il ait voyagé dans la nuit comme cela Subhanallah. Ça c'est un raisonnement d'analyse. Et que les ulama te disent quoi le mal-hadith cela, c'est aussi ce qui fait partie de l'aqidah sahihah, tu vois, la bonne croyance. Quand on te dit qu'il faut que tu purifies ta croyance, quand, tu dis qu on, quand on te dit qu'il faut que tu purifies ta voix, tu vois, qu'il faut que tu analyses ton adoration d'Allah, comment tu adores Allah, subhanahu wa ta'ala est-ce que tu adores Allah Azzawajal comme Allah t'a demandé de l'adorer Ou tu adores avec Allah avec des choses qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas d'origine Tout ce qui te plaît c'est les petites histoires comme cela, des histoires, des coutumes, des, des, des histoires comme ça un petit peu fantastiques mais dont toi en fait en réalité tu ne tires pas le but, les buts finaux de l'adoration d'Allah Cette histoire en plus de vouloir donner au prophète des miracles, le fait de lui monter sa foi, de l'encourager, de l'élever parce que cela lui a été accordé à lui et à personne d'autre avant lui. Il a eu des prodiges que personne d'autre a eu avant lui. Subhanallah. Des choses extraordinaires comme cela qu'il a vu. Des merveilles d'Allah Jalafi qui lui a montré. Après des moments difficiles, après une année difficile où il a perdu les plus, les plus importants de ses piliers, son épouse et son oncle. Subhanallah. Et un homme comme Abou Bakr qui n'a même pas entendu le récit, n'a même pas entendu les paroles du prophète ensemble directement, qu'est-ce qu'il fait Il croit comme cela. Et il affirme et plus que cela, il fait une analyse, il fait comme ce qu'on pourrait dire, comment est-ce qu'on appelle cela Un raisonnement par analogie, c'est quoi en arabe Qui le sait Hein Al-Qiyas, al-Qiyas. Il a fait un Qiyas, un raisonnement par analogie, c'est-à-dire qu'on lui a donné une information et qu'est-ce qu'il a fait lui Il a analysé une autre situation, pour faire une comparaison, mais en prenant un argument qui était plus fort que celui qui lui était, qui lui était soumis. Tu vois C'est comme quand des gens euh, viennent, te, viennent te voir et te disent euh, "Ouais, mais tu vois, pourquoi l'islam euh, il permet ceci et pourquoi à l'époque euh, il y avait cela Tu vois? Comme pour un petit peu te perturber. Et toi, tu viens avec un argument autre. Oui, d'accord, ok. Mais avant l'islam, regarde ce qu'il y avait. Et tu cites des exemples liés à ça qui étaient bien pires encore, qui étaient bien plus grands en gravité et en acte qui n'était même pas un acte qu'on pourrait considérer humain, qui se faisait avant l'islam, et que l'islam est venu gérer, cadrer, voire même après, à un moment, interdire des choses comme cela, parce que l'islam a adapté les choses en conséquence. Donc tu fais quoi Un raisonnement comme cela. Mais aussi, attention, parce que des fois, il peut y avoir un qiyas, un raisonnement par analogie, qui est haram, qui t'envoie dans le batal, qui t'envoie dans ce qui est caduc. Par exemple, Iblis, il a fait un qiyas aussi, n'est-ce pas Il a fait un raisonnement par analogie. Hata ulama ils te disent que Iblis c'est le premier à avoir fait un raisonnement par analogie. C'est le premier à avoir fait un criash, Mais en faisant un mauvais argument. Lequel Eh bien, quand Allah lui a demandé de se prosterner devant Adam, qu'est-ce qu'il a dit Mais je ne vais pas me prosterner. wa al Pourquoi Parce qu'il a dit Moi, je vais me prosterner devant quelqu'un qui est créé de feu. Qui est créé d'argile, alors que moi, je suis créé de feu. Lui, tu l'as créé d'une patte comme cela et tout. Donc, il, il a fait quoi Une critique liée à une analyse personnelle. Et il a considéré que lui, il était meilleur que Adam, alors qu'il a été prouvé scientifiquement que la terre ou l'argile est meilleure que le feu. Donc lui, il a fait un raisonnement qui était pas, qui n'était pas, pas valable et qu'il l'a éjecté de la foi, qu'il a sorti de la sphère de l'adoration d'Allah. Donc il faut faire attention au raisonnement par analogie. Tu vois, des fois, quand certaines personnes te disent Oui, mais ouais mais dans le Coran, on permet cela, mais en même temps, ce plus, plus valable ça aujourd'hui. c'est plus valable ça. Comment tu vas appliquer cette règle-là, cet ordre-là Aujourd'hui en 2024 alors que c'était ça a été révélé il y a 15 siècles. C'est pas le même contexte, pas la même chose. Bah, même en faisant ce raisonnement là, eh bien tu risques de tomber dans des choses graves. Al-kaba'r, les grands péchés. Voire même, ça peut te sortir de la sphère de l'iman billah parce que là tu es en train de me croire un ordre. Mais par contre ce que tu dois faire c'est analyser et comparer voir ce qui est valable ou pas sur la base de l'ilm, de la connaissance parce qu'Allah jal fi'la ar à faire la guidance c'était quoi la science bénéfique euh, utile pour l'adorateur d'Allah donc ce récit c'est quoi le but de comprendre que indépendamment des détails euh, de toutes les merveilles qui ont été démontrées dans ce récit tout cela et tout que les gens connaissent c'est de te rappeler que ce récit aussi il est venu bouleverser tu vois euh, la foi ou la croyance des gens il est venu perturber, tu vois, les personnes qui, ceux qui ne croyaient pas, eh bien, ils se sont enfoncés encore plus dans ce dans quoi ils étaient. Et ceux qui avaient des doutes, qui croyaient mais qui étaient faibles, eh bien, Allah, tu vois, les a peut-être écartés. Et d'autres qui avaient le yaqin, la certitude, eh bien, même s'ils n'avaient pas d'éléments matériels, même s'ils n'avaient pas de preuves, eh bien, ils ont cru. Comme et Abu Bakr, c'est pour cette raison et pour cette cause qu'il a été appelé Abou Bakr, la Tu vois celui qui est considéré comme le véridique, pas le véridique parce qu'il ne parle que en disant la vérité, même si c'était le cas, c'est parce que lui, il attestait de la véracité des choses, même quand cela, eh bien, il ne l'a pas lui vu de ses propres yeux ou touché de sa propre main. Voilà la preuve que le croyant doit développer dans son cœur et analyser dans